Bon, je vais continuer sur le partenaire. J'ai démarré, il n'y a pas de souci. J'ai un peu redressé le pare-choc qui était tordu. Donc là, tout va bien, il démarre. Il n'y a pas de souci, sauf qu'il y a une mauvaise surprise, c'est que j'avais vu qu'il y avait un jeu sur la rotule de direction, donc j'ai changé les deux. Il y avait un jeu sur le côté gauche, sur la rotule de suspension, donc je l'ai changé, la rotule qui se trouve sur le triangle. Et encore une autre surprise, c'est que les pneus, ils n'étaient pas bons. Le mec il m'avait mis du 195 75 des jantes de 14 de 15 pouces alors que c'est du 14 qu'il faut, c'est des 175 65 14 et il faut absolument de 90 88 T, c'est ça qui est conforme. Donc j'ai encore un autre problème, c'est que cette roue là, donc quand je braque, donc je fais des petites distances, je roule à 60, quand je braque, je sens que la roue, on dirait qu'il y a quelque chose qui va s'échapper. On dirait que c'est la. Soit c'est. Pour moi, je pensais que c'était l'amortisseur qui était cassé, que du côté droit là. Donc je regarde, il n'y a pas de jeu, donc là je suis en train de voir si c'est pas le ressort qui est cassé. Donc non, j'avais compté le nombre de spirales là, donc c'est pareil de deux côtés. Donc je penche, peut-être le problème il est là. Je ne sais pas si vous voyez, c'est ici là. C'est la biellette de Barstab. Donc je vais changer ça. Et je vous tiendrai au courant sur est-ce que c'est bien ça ou est-ce que il y a encore une autre surprise. C'est peut-être le châssis qui est touché quoi, mais moi je vois pas. Donc là je suis en train de lever pour la sortir. Ouais, je vais lever, j'ai enlevé la roue, je vais sortir la rotule. Hier j'avais tellement marre, donc je suis allé chercher un autre fourgon un peu plus vieux que celui-là. Moi celui-là il roulait, donc c'est une première main, donc elle a été achetée neuf. Donc là je vais mettre en sécurité d'abord et après je veux. Tiens. Bon, je le mets en sécurité. Après je reprends. Ce coup il lève plus. C'est par là. Ouais. Là. Là. Donc là, j'ai mis la chandelle. C'est ce cric, il vaut rien quoi. Voilà. Mais il vaut rien ce cric. J'en ai un autre plus gros, mais je peux pas faire le tour. Donc on va. Bon, j'avais changé ça, donc là il n'y a pas énormément, il n'y a pas de jeu. Hein. Il me paraît que ça peut venir que de là, hein, parce qu'il est pratiquement arraché. Quoi. Je vais la démonter, on va voir. Hein.
c'est mort, hein. Là, il y a plus de boule ici, là. Bon, on va changer ça, on verra ce que ça donne. Est-ce que c'est le... Pour moi, il n'y a plus rien, hein. Il n'y a pas de... Je vois pas le châssis qui est bougé ou quoi. Et il est inconduisable, hein. Surtout du côté droit. On dirait qu'il va s'arracher l'amortisseur. Bon, il n'y a pas de jeu de cardan, il n'y a pas de jeu là. Ça, je l'avais fait, il n'y a pas de jeu. Il restait que ça ou l'amortisseur. Le mec il faisait des rodéos alors le roulait que dans les champs. Mais je crois qu'il n'y a plus de. Il y a plus de graisse, il n'y a plus rien dedans. Je sais pas. Bon, en tout cas le jeu il est pas. Il est anormal quoi. Non, la barre elle a rien. Bon je vais changer ça et on va voir. Je vous tiendrai au courant. Prochaine vidéo. Merci et à bientôt.